Bonjour, alors nous allons faire un kriya sur la vitalité en soi. Donc pour commencer, vous allez prendre une posture bien droite, vous ajustez sur le coussin. Voilà, la colonne bien droite, le menton rentré, les cervicales légèrement étirées. Et vous allez commencer à rentrer dans une respiration longue et profonde. Vous inspirez, il inspire par du bas du ventre et vous laissez monter jusqu'au sommet du crâne. Là, vous bloquez légèrement et pour expirer, vous relâchez. Vos épaules se relâchent, les côtes rentrent, les basses côtes se resserrent et le ventre rentre. Vous reprenez une inspiration du ventre jusqu'au sommet du crâne. Continuez ainsi. Puis vous inspirez. Et vous expirez. Venez placer les mains paume contre paume, les pouces collés au sternum, les autres doigts pointés vers l'avant. Et ensemble, on inspire. On expire. On inspire. Puis ensemble, on inspire. Vous allez presser les mains l'une contre l'autre. Vous pouvez absorber le périnée, tirer un léger mollband et vous expirez. Relâchez la posture. Pour la première posture de ce kriya, vous allez placer vos bras ouverts à 60 degrés. Les doigts sont écartés et vous faites la respiration du feu. Respiration du feu, vous inspirez en poussant le ventre en avant, expirez en tirant puissamment l'ombilic vers l'arrière, vers le dos. Inspire, on pousse, expire, on tire. Allez-y.
Tenez bon, vous pouvez observer la sensation dans vos mains en ressentant l'énergie entrer dans vos mains. Et sentez les fourmillements, restez en contact avec vos mains. Vous pouvez rester aussi en contact avec ce qu'on appelle le troisième œil, donc la racine du nez, entre les sourcils, ce point. Puis vous inspirez, expirez, gardez la posture, inspirez, vous ramenez les mains au-dessus du crâne, vous pouvez croiser vos doigts, pointer vos index, les pouces l'un sur l'autre et vous prenez une grande inspiration, vous bloquez et vous contractez les sphincters de l'anus, les organes sexuels, l'abdomen, vous faites monter cette contraction le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au bout de vos doigts, au-delà des doigts, faites monter, tirez, tirez et expirez, relâchez la posture et vous posez vos mains, poussez index en contact sur les genoux, vous méditez. Ressentez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, les courants d'énergie, les zones qui ont travaillé, les muscles, la température. Puis vous inspirez et vous expirez. Vous allez poser vos mains sur les genoux. On va faire la promenade du chameau. Donc la promenade du chameau, ça part du bassin. Le bassin, sur l'inspiration, le bassin part en avant. Puis le dos se cambre, les épaules en arrière, le menton légèrement levé. Sur l'expiration, le bassin part en arrière. Et le dos s'arrondit, votre menton rentre. Donc inspirez, expirez. Allez-y. Voilà, vous allez doucement au départ, le temps de laisser votre colonne se chauffer. Toujours respiration par le nez, respiration puissante qui accompagne le mouvement. Puis vous pouvez accélérer le mouvement.
Puis colonne droite, vous inspirez. Et expirez. Et vous allez placer vos mains, pouce et index en contact. Gardez les yeux fermés. Et vous revenez à l'intérieur de votre corps, dans vos ressentis. Alors, ressentez tout ce qui se passe à l'intérieur du corps. Intériorisez-vous. Puis vous inspirez et vous expirez. La prochaine posture, vous allez placer les mains à l'avant et donc vous inspirez en écartant vos mains et vous expirez en venant rapprocher vos mains l'une contre l'autre. Vous allez faire ça sans claquer des mains. Vous allez inspirer par le nez avec une respiration puissante. Expirez en rapprochant vos mains. Allez-y. Tenez bon. Allez, si vous sentez que ça devient dur, vous allez laisser faire, vous les dépassez, vous dépassez ce point dur et vous allez après sentir que vous rentrez dans une plus grande décontraction. Continuez. Secondes. Puis vous inspirez, bras écartés. Et expirez, ramenez les bras vers le haut, croisez les pouces, ramenez les mains, pointez les index, croisez les pouces sur vos l'un sur l'autre. Expirez. Inspirez profondément. Bloquez et contractez le Mula Bandha, contractez anus, organes sexuels, abdomen, vous faites rentrer la contraction le long de la colonne vertébrale. Voilà, faites monter cette contraction au sommet du crâne, au sommet de vos doigts, au-delà de vos doigts, tirez vers le haut et expirez. Et vous allez relâcher votre posture pour vous relaxer quelques instants.
allez bien relâcher les tensions que vous sentez dans votre corps. Si vous sentez des tensions dans vos bras, vous inspirez dans les zones de tension et vous expirez en accompagnant les tensions vers la terre. Sur le long de l'expiration, il vous inspire à nouveau dans la zone de tension. Vous accompagnez vers la terre en expirant. Et une troisième fois. Et vous accompagnez vers la terre. Puis vous inspirez. Et vous expirez. Vous allez détendre vos jambes quelques instants. Vous pouvez frotter vos genoux. Voilà, c'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir un coussin. Ça permet de ne pas avoir les genoux trop sollicités. Puis vous allez revenir assis sur le tapis, sur le coussin. Et sur la prochaine posture, vous allez fermer vos poings et pointer les index. Vous allez placer les poings de part et d'autre du corps et vous commencez à faire des cercles, voilà, d'avant en arrière. Allez-y. Et vous respirez longuement, profondément dans cette posture. Allez, tenez bon. Les dernières secondes. Puis vous inspirez et expirez. Relâchez quelques secondes. Puis vous allez reprendre dans la même posture, donc vous prenez, vous fermez vos poings, vous pointez vos index, vous remettez bras de part et d'autre du corps et cette fois-ci vous allez vers l'avant, vous faites des cercles vers l'avant, voilà, allez-y, tout en respirant longuement, profondément.
Et bon, une dizaine de secondes encore. Puis vous inspirez. Expirez, venez crocheter les pouces au-dessus de la tête. Expirez, gardez la posture. Inspirez profondément. Bloquez et contractez les sphincters de l'anus, organes sexuels, abdomen. Faites rentrer la contraction sous la cage thoracique, le long de la colonne vertébrale, jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au bout de vos doigts, au-delà, tirez vers le haut. Et expirez et vous relâchez. Revenez dans votre corps, à nouveau méditez sur ce que vous ressentez dans le corps. Puis vous inspirez et vous expirez. Et vous allez vous placer sur votre dos. Vous allongez. Vous allez vous allonger complètement sur le dos. Et vous placez vos mains le long du corps. Alors si vous avez les lombaires fragiles, vous allez placer les mains sous vos sous votre au bas de la colonne vertébrale, sous le sacrum. Voilà. Et sinon, vous placez les mains le long du corps. Donc vous inspirez en amenant les jambes à 90 degrés et vous expirez en ramenant les jambes au sol. Allez-y. Puis vous inspirez, les jambes à 90 degrés. Et vous expirez en ramenant les jambes au sol. Et vous relâchez. Relâchez bien votre corps sur le sol. Détendez-vous. Puis vous inspirez et vous expirez. Toujours sur le dos, vous allez ramener les talons près des fesses. Vous attrapez vos chevilles avec les dos, avec les mains. Voilà, les pieds sont posés à plat. Et sur l'inspiration, vous allez monter le nombril vers le haut. Expirez, vous redescendez au sol. Allez-y.
Puis vous inspirez le nombril vers le haut. Gardez la posture, expirez. Et vous allez continuer en restant dans cette posture, vous ne bougez plus. Et vous allez faire la respiration du feu. Donc respiration avec le ventre. Inspire, on pousse. Expire, on tire vers l'arrière. Allez-y. Puis vous inspirez, poussez bien le nombril vers le haut. Expirez et doucement, vous allez reposer votre dos sur le sol, tout doucement. Et vous allez allonger vos jambes. Et vous relaxez dans cette position. Là, vous intégrez les bienfaits de la posture. Vous restez allongé. Et vous vous relaxez. Vous allez pouvoir placer vos genoux. Vos genoux contre votre poitrine, les encercler. Et vous pouvez masser votre dos. Si vous le sentez, si vous sentez que ça vous fait du bien. Là, vous pouvez masser votre dos. Puis vous vous préparerez pour la relaxation. Relaxation longue et profonde. Vous allez pouvoir vous couvrir. Et vous vous détendez sur le sol. Vous pouvez observer les appuis de votre dos, les appuis de vos talons, de vos mollets, de vos fessiers. Observez les appuis de vos bras, de vos mains, de votre tête que vous pouvez laisser osciller de gauche à droite sur les bosses occipitales pour faire un léger massage. Indiquez à votre corps que vous rentrez en relaxation. Vous pouvez entrer plus profondément dans votre corps en observant votre respiration. En la sentant entrer avec un air rafraîchi et sortir avec un air réchauffé. Vous pouvez imaginer que vous respirez par la plante des pieds. Sentez
votre bassin, le bas de votre colonne vertébrale, et vous relâchez sur l'expiration de la colonne vers le sol. Laissez monter votre inspiration un peu plus haut dans la colonne vertébrale. Vous allez sentir votre respiration, cette décontraction, autant dans le dos que dans l'avant du corps, dans votre ventre,
trois mouvements. Vous allez reprendre contact avec votre respiration que vous pouvez intensifier. Vous allez pouvoir vous étirer, ébahir comme vous le faites le matin. Vous pouvez frotter vos mains, frotter vos plantes de pied et vous pouvez commencer à bouger votre colonne vertébrale en roulant sur le côté, de droite à gauche, roulant d'avant en arrière. Voilà, remettez de l'énergie dans votre dos et vous viendrez vous asseoir sur le coussin pour la méditation. Donc aujourd'hui, on va faire une méditation de pleine lune, une méditation de guérison. On va la faire avec une posture, un mudra, qui va nous amener sur de l'auto-guérison. Vous allez placer, donc, je vous l'explique avant, les doigts collés les uns aux autres. Vous faites une pointe avec vos mains et vous allez les placer sous les aisselles, puis baissez vos bras. Vous allez sentir que l'appui est un peu inconfortable. Mais vous allez faire, vous allez maintenir ce mudra comme ça pendant tout le temps de la méditation. Donc ça, c'est le mudra. Et alors, le mantra, c'est Ramadasa Sa Se So Ong. Ra, comme le soleil. Ma, c'est la lune. Da, c'est la terre. Sa, c'est l'infini. Sa Se So Ong, c'est l'infini que je suis. Voilà, c'est un... Voilà, une méditation où on va aller chercher l'énergie des éléments, l'énergie universelle, l'énergie de la terre, du soleil, de la lune, des astres. On va chercher l'énergie et on va la canaliser pour la ramener vers soi. Alors, c'est une méditation qu'on peut faire aussi vers les autres, mais aujourd'hui, on va la faire vers soi-même. On sait bien que on est reliés les uns aux autres. Et lorsque vous faites une guérison sur vous-même, vous faites une guérison sur le monde aussi. Donc, elle va se faire avec une musique. Et vous pouvez commencer à placer votre mudra, donc les doigts en pointe, voilà, sous les aisselles. Voilà, vous sentez ce point et vous pouvez vous concentrer sur ce que vous avez envie de guérir en vous. Ça peut être quelque chose de physique, ça peut être aussi quelque chose de mental ou des choses que vous n'avez plus envie de garder en vous, hein, des parties de nos schémas psychique qu'on n'a plus envie de garder, qu'on a envie de guérir pour y mettre autre chose. Voilà, donc ça commence par laisser aller ce qu'on ne veut plus garder pour pouvoir ensuite remplir d'autres choses. Donc on va commencer, alors le mantra Ramadasa Sa Se So Ong. Ramadasa Sa Se So Ong. Voilà, on va commencer. Je vais placer la musique. On va juste chanter ce mantra en gardant le mudra posé sous les aisselles pour rester concentré entre les sourcils. Ce que vous offrez à vous-même. Ramadasa Sa Se So Ong.
allez faire la respiration du cœur, bouche semi-ouverte, pour respirer de façon subtile. Thank you.
puis vous inspirez. Vous expirez, vous allez placer vos mains, pousser l'index en contact sur vos genoux et vous méditez silencieusement. Et vous inspirez et expirez. Vous venez poser les mains paume contre paume pour le satnam final. Et ensemble, on inspire. Sa. Satnam. Satnam. Satnam.